Allez, salut à tous, comment allez-vous? Ah, désolé pour l'attente, hein, j'étais en train de faire ma grosse commission, hein, je vais vous laisser de passer les détails, hein, je vais pas vous faire de dessin non plus. Mais non, j'ai pas peur, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fini. Donc je connais un petit peu le jeu. Voilà, donc du coup, hop, on va se mettre en mode jeu. Glamour is coming. Ah bah ça tiens. Tout le temps. Ça je l'ai déjà fini, ça c'est ma partie personnelle. On va faire une nouvelle partie. Ah et on va essayer d'éviter de trop traîner. Gros dégueulasse. Ouais mais ouais, je vais m'amuser, ouais t'inquiète pas. Ces amplifications optionnelles permettent de rendre le jeu plus difficile. Oh, on s'en fout de ça. Donc on a la possibilité de prendre une femme, un homme, et toute manière, hein, ils s'appellent tous les deux Morgan Wu. You. Ah, par contre, ce jeu, les temps de chargement sont interminables. C'est l'un des seuls gros regrets du jeu, les temps de chargement. Ah oui, j'ai mon linge à attendre aussi. Je ferai ça ce soir. Je ferai ça après le stream. Parce qu'en plus de la barre de ta chargement, il y a le chargement. Avec la petite croix, avec le petit carré là. Voilà. Bonjour Morgane. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Ah, là, ça c'est le truc de précommande. Ça, c'est normal, j'ai des bonus. Alors, l'électronique pratique, extrait de la préface de l'électronique pratique, Antoinette Sokoy. En travaillant sur une série d'expériences pratiques, cet humble manuel vous présentera la base de l'électronique moderne, analogique et numérique. À la fin, vous serez capable de construire n'importe quel type de circuit simple. Comme un certain Thomas Edison le disait, pour créer, il suffit d'avoir une grande imagination et une pile de vieilleries. Alors, connaissant déjà le jeu, je vais faire comme si je ne le connaissais pas. D'ailleurs, par exemple, là, je peux prendre ce truc. Synthèse de discours et génération de langue innée. Extrait du chapitre 3 de synthèse de discours et génération de langage inné. Sébastien Smith. La technologie de conversation de voix permet au système de synthèse de générer des schémas de discours provenant de la voix initiale ou de nouvelles. Sans avoir besoin d'enregistrement exhaustif ni de processus de préparation, la qualité de la voix obtenue dépend des données
d'entraînement, ainsi que de la précision de la fonction de conversation et de la limitation de puissance du processus. Les méthodes SI, extrait de l'architecte de la rénovation neurologique. Si je vous disais que je pourrais faire de vous un mathématicien de niveau d'Einstein en moins de 10 minutes, je vous dirais que vous me menez un bateau. C'est la première chose que me vient à l'esprit. Mais cette impression. Voilà, j'ai du mal à lire là. Et cette impression faiblit face aux convictions d'Alexou. You. Je suis captivé malgré moi. Il ne ment pas. Il se ment à lui-même, peut-être, mais pas à moi. Alex se penche sur son fauteuil. Bienvenue dans l'ère des neuromodes. Des notes. Filetées sur Morgane. Ouais. On peut picoler la bouteille. On va la boire. Ouais, ouh. Y'a rien dans le placard. Ah, attends, on va te prendre ça. Encore des notes. Pour une cuisine Wok-Roll. J'ai pas tout l'air non plus, hein. Il y a pas mal de conneries. Là, c'est bizarre. On peut pas se voir dans le miroir. Bon bah hop. Bonjour, Monsieur Yu. Bonjour. Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ça doit être pour vous. Merci, madame. Monsieur Yu, je vous en prie, installez-vous. Nous allons décoller. Le complexe de Transtar est tout près d'ici. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. Ça quand même la gueule, hein. La baie est magnifique vue d'ici. Ah, le jeu, il a à peine un an, quoi. Présentation du Nous jeu. sommes arrivés, Monsieur Yu. Faites attention à la vitre en sortant. Bonne chance. Bonjour, Docteur Yu. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Bonjour. Mes instruments sont calibrés pour l'analyse de grands volumes de données et de relevés en direct. Nous
inquiétez pas, rien n'échappera à notre surveillance. Bienvenue, Morgan Yu. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Vous avez un nouveau message. Morgan, enfin. Oh la gueule. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Et ton œil, toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Docteur Yu ? Bonjour, Morgan. Bonjour. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien ? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord ? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Merveilleux. C'est... Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. Très bien, Morgan. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Regardez. Est-ce qu'il se cache derrière la chaise ? Une activité synaptique à signaler ? Ok ? Non ? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite, Morgan. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Ouais, bon, la salle C. Bon, nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus... naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Simmons ? Moi, j'ai installé ce petit arm. Vous avez bien vérifié ? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test, passons à la salle D. Quelqu'un peut m'apporter du café ? Ce serait bien aimable. Merci. Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Ah,
Alors, vous préparez vos vacances. Allez-vous dans un endroit Bonjour, Willy. familier que vous adorez ou essayez une nouvelle destination? On va dire un endroit familier. On dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. Alors, vous êtes condamné à mort par vos crimes. Que ressentez-vous? J'ai peur. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en colère. Personne n'a le droit de vie ou de mort. Je suis calme. Ça en valait le coup. Oh. C'est du lourd. Ah, carrément. Hein. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous pouvez changer l'aiguillage du train, mais une personne est ligotée sur la voie de secours. Bah, changer, hein. Vaut mieux une que 5 vies, hein. Bien. Suivante. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous êtes sur le quai à côté d'un homme incroyablement obèse. Le pousser sur la rail arrête le train. Bah, pousser le gros, hein. C'est presque fini. Alors, un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail, sauter sur la voie, arrêter le train, mais mettre fin à ce jour. Pousser le gros. Vous savez quoi? Je ferai sûrement la même chose. Bien, bien, c'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un Tiens. instant, je vais vous demander ce que... C'est ma tasse? Elle est vide. Oh mon Dieu! Sécurité! Sécurité! Putain, le mec, il a complètement fendu. Vous avez vu sa tête? Simmons, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgan, il est en ville, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Bonjour Morgan, nous sommes le lundi 15 mars 2032. Et tu l'as dit tout à l'heure. Dégagez, partez tout de suite. Dégagez, partez tout de suite. Ah, mais... Ça fait plaisir à voir ça, hein? On va peut-être aller fouiller dans le frigo. Ah. Ouais, la bouteille de whisky a changé de place. Elle était sur la table là tout à l'heure. Ouais, d'accord.
Il y a des caméras. Si vous connaissez un tant soit peu notre ligne de produits, vous savez qu'il est parfois nécessaire de mettre les bouchées doubles pour atteindre nos objectifs. Tourisme externe est soigneusement pris en considération avant une décision de ce genre. La prolongation indéfinie est une demande directe d'Alex et de Morgane. Sylvain Bellany. Docteur Bellany, l'épuisement de Morgane nous empêche d'obtenir des résultats exploitables et c'est sans compter sur les dégâts infligés à long terme par l'installation et l'ablation constante des neuromondes. Vous pourriez me redire pourquoi la période de test a été étendue indéfiniment. Alors, chers tous, je sais que l'incident de ce matin vous a chamboulé. Pour éviter toute panique, inutile de vous demander de ne pas contacter des personnes travaillant hors de votre département. Une annonce générale sera bientôt faite dans la station. Pendant ce temps, Madame Elazar et son équipe de sécurité sont en alerte au maximum et répondront à toutes vos questions. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent pour le docteur Bellamy. Il est actuellement traité au service traumatologie. Son état est critique mais stable. Merci de votre patience et de votre dévouement à notre projet. Ouais, bah écoute. Oh, pas de bruit comme ça, toi. Alors, tous les débris comme ça, hein, c'est super utile pour la création d'objets, mais on verra ça plus tard, ça. On va pas spoiler non plus tout le jeu. Hein. Ah, mais c'est son aquarium, non? Ouais. Son aquarium, là. Je suis comme ça, moi je prends des bouteilles de whisky. C'est où? C'est où? Elle est où la bestiole dégueulasse? Je sais qu'il y a une mimique pas très loin. Oh d'accord. Ouais, faut toujours se méfier des petites des petits objets en double. Entre là, là. Ah, j'aime bien ça quand ils mettent le didacticiel en plein milieu, on s'en fout. Genre, tu vois, dans une tasse à café. Bloc-notes, une poubelle.
Donc, en fait, quand j'arrive de là. Ah, je crois que c'est derrière ça. Alors, commande de fabrication 65489, destination Marcos Hermos. Expéditeur, département fabrication. Signaler toute l'UGS comme défectueuse. Demander une enquête au département fabrication Marcos. Mot de passe. ICOP 800. Attends, 076. Enfin, 0876. Ok. Petit rappel amical d'un extrait du règlement antérieur. 2.7 protection des mots de passe. 2.7.1 ne partagez votre mot de passe avec personne. Les mots de passe sont des informations sensibles et confidentielles. 2.7.2 les mots de passe ne doivent pas figurer dans les emails des conversations de transcribes ou dans notre support de communication. 2.7.3, ne conservez pas votre mot de passe écrit sur votre bureau. 2.7.4, si vous suspectez une utilisation frauduleuse de votre mot de passe, veillez en référer immédiatement à l'informatique. L'utilisateur dans le poste de travail a subi une intrusion et ne l'ayant pas déclaré sera tenu responsable des activités menées depuis son poste. Voilà, c'est le message de ce matin. Ça, c'est l'Alexium. Mauvaise installation. Simon Hughes. Les résultats du jour sont négatifs. Avez-vous installé les bons neuromodes? Prenez contact avec RMS et trouvez ce qui s'est passé. C'est votre priorité du jour. Ah ouais, d'accord, l'hélicoptère. tu vas pas me faire flipper comme ça, toi. Sélection rapide. Typhoon Cacoplasmus. Tout le monde les appelle mimiques. Faites attention à ce que vous touchez. Eh bien là, saloperie. Je viens de péter la vite là. Oula, pétasse. Tiens. Ces saloperies là, c'est ce qui fait tous, c'est ce qui fait flipper dans tout le jeu. Même les gros, ça fait pas peur. Normalement, on n'est pas censé se voir à. C'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Hop, comportement de Morgana. Alex a demandé à ce que toutes les requêtes passent par lui après la crise de Morgane lors de la réunion. Une évaluation psy est en cours.
Alex a indiqué ne plus vouloir de surprise de la part de Morgan, nous non plus d'ailleurs, à condition que Morgan a oublié la totalité des derniers tests, comme prévu. Mais la réponse agressive au même ensemble de critères a clairement marqué un point de départ. Je recommande la mise en place d'un suivi de changement de personnalité avec la poursuite des tests lors des réunions au sein du test lui-même. Bellany. Bon, est-ce que j'ai reçu mon planning? Non, c'est pas mon planning pour le mois prochain, fait chier. Ça, je peux pas encore le prendre. Oh putain, la pute! Je sais que t'es caché derrière toi. Ah, tu vois, je savais que t'étais caché là, toi. Une pomme. Une pomme. Sale auprès de Mimic. Ah, au secours! Oh, putain. C'est une mitose, elle s'est dédoublée. Alors, test de la semaine prochaine, Jovan. Nous allons devoir modifier la salle selon le nouveau plan de test. La configuration est la suivante. Salon A, rayon d'action. Salle B, imitation. Salle C, action à distance. Ok. Ah ouais, je vois ce que ça veut dire. En fait, les tests qu'on passe au début... Je pourrais les mener correctement si j'ai, quand je le repasserai en version plus 1 en fait. Quand j'aurai fini le jeu, je pourrais le recommencer avec toutes mes acquisitions. Et la salle d'action, rayon d'action, donc là je sais plus ce que c'est une attaque
à distance. Imitation, c'est se transformer en, c'est le pouvoir de se transformer en mimique, et action à distance, ça va être la télékinésie. Urgent, salut. Hop, disparition de cadavre. Nouvel objectif. Salut, je crois que Bellamy a sorti des données relatives aux mimiques et à la manipulation à distance hors du département de recherche. Rendez-vous au service traumatologie récupéré sur son cadavre, la carte d'accès de sa cabine. C'est un peu morbide, je vous le concède, mais Alex va nous chier une pendule si quelqu'un trouve ces données. Ouais, en fait, il y a plusieurs styles de jeu, infiltration ou bourrin. Ah, deux chaises à côté, hein, c'est souvent louche. Oh, attends, il y a plein de trucs. Questions au sujet de la simulation. Alors, hop, on va me mettre correctement. Je vais t'envoyer le livre qu'Alex et Morgan ont écrit. Voici la version résumée pour le moment. Votre cerveau procède de la même manière quand il s'agit de créer de nouveaux souvenirs ou d'obtenir une nouvelle capacité d'un neuromonde. En réalité, il est impossible pour le moment de discerner les changements apportés par un mode de la formation de souvenirs normaux. Donc, si je veux retirer le neuromode qui a fait de vous un pianiste digne de Gustav Leitner, votre cerveau retournera à son état antérieur à l'installation. Il voulait que l'esprit de Morgane soit plus vierge que possible. Plus vierge possible pour recevoir les prototypes de neuromode. Ça veut dire revenir loin en arrière, d'où cette simulation d'appartement. On peut difficilement être dévoué. Voilà. Mon appartement est difficile de vous donner. Ah, leur science, qu'elle est où? On mange ensemble samedi, Simons. Là, j'ai pas l'accès. Test pour 24 tiers. Redemander le test. Lucien, observation par Bellamy. Test d'inflammabilité annulé indéfiniment. Alex veut saluer Morgan avant le test. Ok. Ah, il est là, il est là. Viens ici. Il est où? Ah, il est là. Saloperie de bestiole. Ouf, tu as un coup. Tu as un coup de chance, hein. Bah tiens, hop, j'ai le passe. Alors, voici les gens. Voici le résultat du test de personnalité d'aujourd'hui. En les comparant aux résultats précédents, je constate que certains glissements au fil des derniers essais. Ce n'est pas la première fois. J'en informerai Alex pour trouver ci-dessous le test le plus récent pour référer. Là, c'est mes réponses.
De toi, pardon. L'épuisement de Morgan nous empêche d'obtenir des résultats exploitables. Et sans compter sur les dégâts infligés long terme par l'installation et l'ablation constante des neuromodes. Vous pourriez me rappeler pourquoi la période de test a été étendue indéfiniment? Ça y est là. Oui, j'ai remarqué la même chose. Tu sais que je ne peux pas divulguer leur nom, mais j'ai effectivement constaté une hausse des employés de ton département présentant des signes d'anxiété accrue. C'est encore pire que les gars du département psychotronique. Je discute avec Kleistrop des moyens d'y atténuer le stress, mais je crains que ces incidents ne soient pas isolés. Je comptais en parler à Alex à la prochaine réunion de direction. Ok. Donc, comme vous aurez pu le constater tout à l'heure, j'ai soit la possibilité d'utiliser mon patch ici. Soit utiliser le petit passage ici. Regardez, il y a plein de trucs à prendre ici. C'était un